Tout le monde connaît Françoise David et généralement, tout le monde l'aime, même si on ne partage pas sa quête de justice sociale. Au pire, on l'accusera d'avoir saboté le Parti québécois et la cause souverainiste. Au mieux, on encensera son implication quotidienne auprès des victimes sociétales, dont les femmes. On aime Françoise David parce qu'elle dit les vraies affaires, parce qu'elle le fait dans un discours articulé, dans un style agréablement dépouillé de l'épeurante rhétorique masculine, dans une présentation décorée du sourire le plus accrocheur au monde, avec une voix féministe issue d'années de militance auprès des plus démunis, principalement des femmes moralement, socialement, économiquement et juridiquement maltraitées. C'est cette synergie formidable qui lui a fait gagner le débat des chefs aux élections québécoises de 2012. Il est vrai qu'au terme de son implication comme organisatrice populaire, syndicaliste, porte-parole féministe ou politicienne au service de la justice égalitaire, cette femme médaillée et honorée entend ralentir son train. Par contre, assure-t-elle, elle va continuer à s'investir dans des causes fondamentales dont l'environnement, l'iniquité électorale et l'inclusivité nationale, sans pour autant négliger son rôle de grand-maman. Françoise David, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Oui. La question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi, quand on écrit à votre sujet, on a tendance à dire vous êtes issu d'une famille importante, il y a eu Hello David qui était journaliste, historien, écrivain, politicien, son fils Athanase David qui est l'Athanase David du prix Athanase David et qui a été ministre, qui a été un paquet de trucs. Votre père, Paul David, qui était le fondateur d'un institut de cardiologie. Et puis, bon, on m'a dit, c'est pas un lignage. Mais pourtant, moi, je regarde à côté et je vois des femmes importantes là-dedans qu'on mentionne jamais. Pourquoi? Ben, parce que c'est l'histoire des femmes, ça. Ça tend à changer quand même un peu aujourd'hui. On commence à reconnaître la contribution de femmes qui ont été importantes, que ce soit dans l'histoire du Québec ou d'ailleurs. Mais c'est récent. C'est récent. Il a fallu... il y a déjà, mon Dieu, 20 ou 30 ans que le collectif Clio, un collectif de femmes historiennes, écrive ce bouquin qui est encore d'actualité qui s'appelle « L'histoire des femmes au Québec » que j'ai lu il y a longtemps. Mais il a fallu ça pour que là, plein de gens se disent « Mais c'est vrai, à part Marguerite Bourgeois et Jeanne Mance, c'est comme s'il n'y avait pas eu d'autres femmes importantes au Québec. » et pourtant, pensez à Thérèse Casgrain. Le droit de vote des femmes avec Idola Saint-Jean, pensez à Simone Monnet, plus récemment Madeleine Parent, Léa Robac, Claire Kirkland qui a été la première femme ministre à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, il y a plein de femmes intéressantes dans l'histoire du Québec, mais avant le 21e siècle, je dirais, c'était pas dans la mentalité que de s'en préoccuper. Mais dans votre famille, plus particulièrement, il y a quand même des femmes qui ont laissé des marques vérifiables, sensibles. L'une d'entre elles, certainement, ma grand-mère paternelle. Donc, elle s'appelait Antonia Nantel. C'était l'épouse d'Athanase. Et Antonia fait partie du club très restreint des fondateurs et fondatrices de l'Orchestre symphonique de Montréal. Mais on ne parle pas souvent d'elle. Il y a aussi votre tante. Simone David Raymond. Simone qui avait divorcé de son mari à une époque où ça ne se faisait pas. Et qui, oui, a été longtemps présidente de l'hôpital Marie-Enfant, donc un hôpital pour les enfants, juste à côté de l'Institut de cardiologie, d'ailleurs. Ma mère a écrit 3 livres. Bon, qui ne passeront pas à l'histoire, c'est pas de la grande littérature, mais elle écrivait quand même bien. Tout simplement bien. Le premier de ses livres s'appelle « L'aube de la joie », puis c'est assez autobiographique, c'est intéressant. Alors, pour nous, ses enfants, c'est chouette de lire parce qu'on retrouve notre histoire dans ce livre-là. Moi, j'ai 4 ans, 5 ans, semble-t-il que je suis déjà un petit peu volontaire. Puis que je lis beaucoup aussi, ben non pas à 4 ans, j'exagère, mais à 6 ans, j'ai commencé à lire beaucoup, beaucoup. Donc, dans ce livre-là, ben dans le fond, je me retrouve, donc ça, c'est intéressant. Bon, ma mère était impliquée dans plein de bonnes œuvres. Nous, on était dans les scouts et les guides. Elle s'impliquait beaucoup à ce niveau-là. Mais c'est sûr que non, son nom ne sera pas connu, là. Mais pourtant, moi, dans ma vie, elle a été super importante. Ma mère se serait jamais définie comme une femme de gauche, là, mais comme une chrétienne engagée et
me parlait beaucoup là, du message social de l'Église. Et donc, un jour, je ne sais pas quel âge je peux avoir, 10 ans peut-être, là, en tout cas. Et je parle à une amie au téléphone, puis je lui dis « Oui, la bonne a fait telle chose. Ma mère sort en trombe de la cuisine. » Et j'ai pas sitôt fini mon téléphone qu'elle me dit « Ça, ma fille, c'est des mots qu'on ne dit pas. Elle a un nom. Tu vas l'appeler par son nom. Puis elle vit avec nous, elle travaille avec nous. Elle me donne un sacré coup de main, puis tu vas la respecter. » Mais moi, c'est sûr que je pensais pas que j'avais manqué de respect, là. Mais mon Dieu, qu'elle avait raison. Ce qui n'empêche pas, ça j'ai compris ça beaucoup plus tard, que quand les familles bourgeoises ont, appelons les choses par leur nom, là, des aides familiales, des domestiques, oui, il peut s'établir des rapports très fraternels. Je ne veux surtout pas nier ça, mais ça demeure quand même un rapport patron-employé, là. Au primaire, au secondaire, je suis au couvent Villa Maria, le couvent que ma mère fréquentait quand elle était jeune. Elle me met dans le même couvent, couvent de filles. C'est sûr que je reçois une très bonne éducation. Au primaire, je suis plutôt une bonne élève. Au secondaire, mon père me dit « tant que tu es dans le premier tiers, au niveau des notes, ça va ». Alors, je m'arrange pour être toujours vers la fin du premier tiers, parce que moi, je déteste pas les études, là. Il y a des choses même que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le français, je lis beaucoup. De toute façon, ça fait longtemps que j'ai commencé à lire. J'aime l'histoire, j'aime la géographie, j'ai horreur des sciences, je comprends rien, je comprends rien aux mathématiques. Mais j'aime surtout ce que je fais après l'école. J'aime le sport, je suis dans les guides, j'adore ça, je fais des camps. Les camps, c'est loin des parents, on est bien. Je suis pas en révolte, moi, contre ma famille, là. De toute façon, ça se fait pas trop à Outremont à cette époque-là. Mais c'est juste que je ressens un besoin d'affirmation. Je commence à m'intéresser aux injustices sociales. Ma mère m'aide beaucoup là-dedans. Elle me fait lire des livres de saints, bon, quand je pense à ça. Mais genre Saint-François d'Assise, ça, c'est un peu le genre de ma mère, le message social de l'Évangile. Un saint pour les pauvres. Oui, c'est ça. Alors moi, je commence à m'intéresser à ça, mais je n'ai pas le début d'une analyse politique, là. Ça part plus d'un bon sentiment, ça passe comme un réflexe. Bon. J'entre au collège, donc Collège Jésus-Marie d'Outremont. En belles lettres, je m'y ennuie très sérieusement parce que là, j'ai plus d'amis. Hein. C'est toujours la complication des enfants. Ben, j'étais plus une enfant, mais quand on quitte un milieu, qu'on s'en va dans un autre, je connais personne. Je suis entré au journal du collège. Tout doucement, je me suis intéressé à ça. J'aimais écrire. Vers la fin de l'année, je me fais trois amis, trois filles, et nous allons être inséparables. Jusqu'à la fin du collégial. On mène des petites contestations. Là, on s'entend là, que nous, on n'a pas occupé des cégeps. Mais à un moment donné, on a dit, nous, la messe, le premier vendredi du mois, on est tanné. Ça fait qu'il y a eu une fois, je m'en rappellerai toujours, au lieu de toutes se lever pour y aller, on est toutes restées assises dans toute la classe. Puis ça a marché. On n'est plus jamais allé. Il n'y a pas eu de répercussions? Non, c'est étonnant. Mais là, on avait genre 18 ans quand même. Là, ça commençait à être difficile de nous mettre dans le coin. Hein. Bon, là, on embarque toutes dans le journal du collège. Je suis devenue finalement rédactrice en chef. Et là, philo 1, philo 2, on fait donc de la philo, on fait de la socio, on fait des sciences politiques. Je suis toujours aussi nul en maths et en sciences. Bref, j'arrête d'en faire. Parce que là, on commence à avoir des choix. Et la directrice du collège me dit « Mais là, Mademoiselle David, vous comprenez que si vous abandonnez tout ça, il va vous rester deux facultés à l'université et c'est tout. Travail social et littérature. » J'ai dit « C'est parfait parce que moi, ça va être un des deux. » Donc, je ne fais plus de maths. Ah, le bonheur! Mais là, je découvre les sciences politiques. Puis là, on est rendu genre 1967, là, l'Expo, la montée du RN. Ça va être bientôt la naissance du Parti québécois. Là, moi, je lis un journal maintenant. Le Devoir, ça a toujours été chez nous, mais mes parents étaient abonnés. J'ai commencé à lire, j'avais 17 ans. J'ai pas arrêté, d'ailleurs. Alors là, je commence plus à comprendre tranquillement comment va le monde et surtout comment va le Québec. Je suis pas souverainiste à cette époque-là.
mais nationaliste quand même. Fière d'être québécoise, fière de parler français. Mon père est un fédéraliste, mais fier de ses racines francophones. À l'époque, on disait canadienne-française. Très fier. Il a fondé l'Institut de cardiologie parce que Toronto en avait un, et il s'est dit, je comprends pas pourquoi on n'en aurait pas, nous, au Québec. Alors moi, c'est comme ça que je suis élevée, là. Et puis finalement, après le collège, je pars pour 6 mois au Rwanda. Je pars 6 mois avec une amie. Je suis dans une école secondaire où les jeunes filles sont pensionnaires parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles secondaires, donc elles sont loin de chez elles. Elles sortent à la Toussaint, à Noël, puis à Pâques, là, à peu près. Et donc, je suis responsable d'organiser les parascolaires. Ben, moi, je m'amuse, là, j'ai du plaisir. Mais le bonheur aussi dans tout ça, c'est que je découvre l'Afrique. Parce qu'à Noël, je voyage. Je vais au Kenya, je vais en Ouganda, toute seule avec ma copine, quand j'y pense. Mais j'apprends beaucoup, là. Et finalement, je reviens au Québec parce que ma mère est très, très gravement malade. Elle mourra 3 mois après. Et finalement, en septembre 69, je commence mes études en service social à l'Université de Montréal. Très, très récemment, ils avaient ouvert une option qui s'appelait organisation communautaire. Alors, moi, je me suis dit, il me semble que c'est fait pour moi, ça. Alors, j'y suis allé et j'ai compris très vite que je serais bien meilleur à travailler avec des groupes, organiser des gens, les rassembler, se battre un peu quand même, lutter, bâtir des projets, que je serais bien meilleur là-dedans que dans le travail clinique qui se fait avec les familles, avec les enfants, etc. J'avais pas d'appétit pour ce genre de travail. Je pensais pas que je serais très bonne. Je le pense encore aujourd'hui. Puis en plus, j'aurais eu beaucoup de misère à le vivre. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les travailleuses sociales de la DPJ, par exemple, qui sont prises à prendre des décisions terribles pour des femmes, des mères, pour des enfants. Oh, je sais pas comment elles font pour dormir la nuit. Alors moi, j'ai compris que c'était pas pour moi, qu'il me fallait un petit peu de détachement. J'ai fait des stages, un à Valleyfield, un à Saint-Henri, où j'ai habité un an. Puis c'était super, plancher des vaches, là, travailler avec du monde qui vit dans le quartier, qu'on essaie de regrouper, d'organiser. Moi, j'ai fait ça plusieurs années de temps, là. Ça, j'ai adoré ça. Gradué en 72 à l'université, oui. Vous faites quoi? Je suis embauchée comme organisatrice communautaire par, au départ, l'Agence de services sociaux Centre-Sud, qui, je ne sais plus trop en quelle année, là, peut-être 74, là, va être sécularisée, dans le fond, et va faire partie des grands centres de services sociaux. Les CSS, c'est ça, qui ont commencé à exister. Donc, l'État, qui a déjà étatisé la santé, étatise aussi des services sociaux. Mais au moment où moi je commence, ce sont les Sœurs du Bon Conseil qui sont encore les responsables de cette agence qui est sur la rue Alexandre de Sèvres, là, près du boulevard de Maisonneuve. Et là, la première année, on me donne comme mandat de contribuer à la mise sur pied du CLSC Centre-Sud. Mais là, moi, je vis des problèmes philosophiques parce que il existe aussi des cliniques populaires à Montréal. Et ces cliniques veulent continuer d'exister. Puis elles fonctionnent sur un modèle, mon Dieu, très, très progressiste, là. Et l'arrivée des CLSC est vécue par elles, ces cliniques-là, comme une concurrence énorme qui va les tuer. Alors, ce qui est drôle, quand on regarde ça aujourd'hui, effectivement, la clinique des citoyens de Saint-Jacques a fini par fermer, celle de Saint-Henri aussi, mais la clinique populaire de Pointe-Saint-Charles existe encore et fête cette année son 50e anniversaire. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont voulu changer son statut à travers le temps, là, depuis les années 70, tout le quartier s'est soulevé. Fait qu'il n'y a pas un ministre de la Santé qui a réussi à les mater. Oui. Ça fait plaisir. Un modèle. Oui. Donc, la première année, bon, quand même, il y a un comité, puis je contribue à ça, mais je m'ennuie. La deuxième année est embauché un autre organisateur communautaire qui prend le relais, et là, moi, je me lance avec des copines que je suis allée chercher, une travailleuse sociale, une amie qui travaille en littérature, en tout cas. On est 5, on met sur pied le centre de rencontre et d'information Centre-Sud.
son mini-local est sur la ruelle d'Alcourt, qui existe encore, mais là maintenant, qui est toute revampée, gentrifiée et tout, mais à l'époque, c'est pas ça, là. C'est un mini-local chauffé à l'huile, on gèle là-dedans. Et notre objectif, c'est de rassembler les multiples organismes populaires et communautaires du quartier, donner des formations, faire des batailles ensemble, bâtir des projets ensemble. On met sur pied un journal de quartier, un théâtre de quartier. Moi, je travaille avec une halte garderie pour les aider à se consolider. On donne beaucoup de formations aux animateurs, animatrices populaires. Là, il y a des moments où ils sont 25-30 là, aux ateliers de formation. Et on fait ça de 73 à peu près à, ben, moi, je dirais 76, comme il faut, 76-77. C'est passionnant. On appuie des luttes ouvrières. Il y a des débrayages dans le quartier. On est là sur les lignes de piquetage. En fait, je suis payé pour aider les gens à s'organiser, à se battre, à développer leur capacité de compréhension de la réalité. Puis l'État me paye pour ça. C'est génial. C'est l'idéal. Oui. Mais ça, malheureusement, cela a eu une fin. Donc... En 77, je deviens membre dans Lutte. J'y serai jusqu'en 82. 82, je quitte en Lutte, mais je continue d'être très impliqué syndicalement. Vous étiez président de votre syndicat. En 82, oui, même 83. En 77, je suis simplement une déléguée syndicale. Un peu plus tard, je deviendrai responsable de la condition féminine, donc membre de l'exécutif du syndicat. C'est par étapes, tout ça, là. Mais le syndicalisme m'apprend beaucoup, mais j'y milite activement, mais j'y milite avec toutes mes préoccupations de gauche. Et 82-83, c'est l'époque du renouvellement de notre convention collective. C'est l'époque où René Lévesque décide qu'il va baisser nos salaires de 20%. La loi 111. Oui. Et là, moi, je ne suis pas encore présidente de mon syndicat. Je vais le devenir, en fait, vers la fin de la lutte, mais je suis sur l'exécutif puis super, super, super mobilisée. Au Centre de services sociaux Montréal métropolitain, là, il y a 1400 employés, on réussit par trois reprises à aller chercher des votes de grève, dont deux illégales, qu'on ne fera pas parce que la majorité des syndicats a voté contre, donc on ne les fera pas, mais on a réussi à aller arracher ces votes-là. Là. Pourquoi? Parce que mes collègues, qui sont majoritairement des femmes travailleuses sociales, se sentent carrément méprisé par le gouvernement Lévesque, tu sais, qui pas seulement qui coupe nos salaires, mais qui dit qu'on est gâté pourri, puis qu'on n'a pas d'affaires à se plaindre, puis qu'il faut accepter ça d'emblée parce qu'il y a eu une récession, puis il y a des difficultés dans les finances publiques, enfin, etc. Là. Mais on se sent absolument pas reconnu. On ne sent pas notre travail reconnu. Et pourtant, moi, vers 82, j'atterris au service des communications du CSSMM parce qu'il coupe tous les postes d'organisation communautaire. Mais tous mes autres collègues font du travail clinique auprès des enfants, des familles, des personnes âgées, des immigrants, tout ça. Ils font un travail considérable. Alors, je pense que c'est la première fois de leur vie, pour la plupart d'entre eux, qu'ils votent une grève illégale. C'est parce qu'ils se sont sentis trop insultés. Bon, tout ça finit très mal, on la perd, cette bataille-là, les salaires sont coupés. Et finalement, en 1984, moi, je quitte le syndicalisme, j'ai fait le tour, je suis fatigué. Là, entre-temps, moi, j'ai eu un enfant, là, puis j'ai vécu une séparation. Alors là, moi, je suis fatigué, j'en peux plus. 83, je suis tombé en arrêt de travail quelques temps, pas très longtemps, mais épuisement professionnel. Aujourd'hui, il m'aurait donné 3 mois de congé, mais à l'époque, ça n'existait pas. Fait que moi, 84, j'arrête tout. Ben, je travaille, là, mais je veux dire, j'arrête tout militantisme. C'est la seule fois de ma vie que c'est arrivé. Et ben, j'arrête presque tout. Thank you.
C'était une époque un peu grise. Les libéraux venaient de reprendre le pouvoir. Il n'y avait plus grand-chose qui m'allumait. Alors, pendant une couple d'années, je me suis occupé de mon gars. Il avait 5 ans, 6 ans, 7 ans. J'avais rencontré mon amoureux, François, qui avait 2 enfants. Mais je cherchais quelque chose qui allait m'allumer. On est en 87 et je travaille à une recherche dans le cadre de la commission Rochon pour un prof de l'UQAM. Dans le cadre de cette recherche, j'ai des entrevues à faire. Les petits miracles là, dans la vie. Tombe sur la coordonnatrice du regroupement national des centres de femmes qui vient de naître. Ça s'appelle l'ER, L apostrophe R majuscule des centres de femmes du Québec. Je la rencontre, passe l'entrevue et à la fin de l'entrevue, elle me dit « Je quitte bientôt, mon poste va s'ouvrir. » Je vous jure, je pense que j'ai vu l'ampoule s'allumer dans ma tête. J'ai dit « Tu m'envoies l'offre d'emploi. » Elle m'a envoyé l'offre d'emploi. Le regroupement m'a embauché. J'ai commencé par prendre un congé sans solde du centre de services sociaux en me disant « Si ça ne fait pas, ben, je pourrais toujours retourner. » Mais oh, je m'y ennuyais tellement au CSS là, les dernières années, c'était terrible. Je pensais pas vraiment retourner, là, mais bon, je me donnais un petit verrou de sécurité. Je commence à travailler à l'ER. À l'époque, il y a 80 centres de femmes, à peu près pas financés. Donc, le premier objectif, c'est « Es-tu capable de nous aider, un conseil d'administration, à aller chercher un financement? » Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, aller chercher du financement, là. Mais j'ai comme, je sais pas, 2-3 habiletés en matière de « OK, on regroupe du monde, on met des gens ensemble, puis on travaille. » Ça, quand même, oui. Alors, finalement, mets sur pied un comité de financement. Je vais chercher des copines. Là, on fait une espèce de plan de communication. Puis pour faire une histoire courte, on travaille avec les centres de femmes pendant un an. On récolte 50 000 signatures sur des pétitions. On fait des pique-niques devant l'Assemblée nationale, machin, machin. En tout cas, finalement, on obtient le premier plan de financement des centres de femmes du Québec à peu près en 1988-89. Puis là, on continue de travailler et je vais être là jusqu'en 94. Et encore une fois, 92-93, deuxième plan de financement. Je me souviens, le ministre, c'est Marc-Yvan Côté. Et on obtient ce plan de financement. J'ai adoré ça. Je suis resté à l'ère des centres de femmes 7 ans. À travers ça... Vous étiez coordonnatrice. Coordonnatrice du regroupement national. Quand j'ai commencé, je connaissais très mal le mouvement des femmes dans toute la portion groupe autonome de femmes. J'étais une militante féministe, mais syndicale. Alors, j'arrive à l'ère et je découvre, mais c'est dizaines et dizaines et centaines de groupes de femmes. Bon... maison d'hébergement pour femmes victimes de violences, centres d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles, tout ça, ça existe encore. Là. Les centres de femmes, on vient d'en parler. Oui, cercle de fermières, AFEAS, Association féminine d'éducation et d'action sociale, Fédération des femmes du Québec. Je découvre les femmes en affaires, les femmes en agriculture, les femmes dans l'église, les féministes, là, je veux dire. Alors, je découvre l'ampleur et la diversité du mouvement des femmes. Et donc, comme coordonnatrice de l'ER, bien sûr, je travaille principalement à consolider les centres de femmes, aller chercher du financement, à un moment donné, mettre le monde ensemble, organiser des luttes, bon, etc., etc. Mais je collabore beaucoup avec les autres groupes. Par exemple, un an après le massacre de Polytechnique, avec d'autres organismes féministes du Québec, on organise une soirée hommage à l'Université de Montréal, où il y a énormément de monde, pour commémorer ce massacre épouvantable qui a été Polytechnique. Donc ça, moi, je suis très active là, là-dedans, je collabore beaucoup. Et à partir de 1992, à peu près, je surveille d'un peu plus près ce qui se passe à la Fédération des femmes du Québec. Puis, à un moment donné, ça va pas très bien, la fédération. C'est comme s'il y avait une morosité. Le rapport entre le national et les membres semble difficile. Il y a même un moment où il y a même plus de présidente. Il y a une insatisfaction.